Désolée, quand je vais commencer toujours mes vidéos, je serai toujours heureuse, je serai toujours contente. C'est pas parce que je suis en noir aujourd'hui. Mon noir aujourd'hui, c'est tout simplement une envie. Donc j'ai eu envie de mettre le noir. Déjà que j'aime jamais mis le rouge à lèvres, noir, j'ai essayé aujourd'hui. Si ça me va ou pas, je m'en fiche. Je vous ai dit, je suis amoureuse des rouges à lèvres, donc c'est un peu ça. Bon. Ce qui nous concerne ce matin, ce qui nous concerne, c'est trois sujets. Un, on va vous dire comment est-ce que Majaki a fait pour détrôner Uri Stakamba. Ouais, je le dis haut et fort. Majaki, franchement, me fait plus rire que Uri Stakamba. Deuxièmement, il paraît que Coco Emilia simule sa grossesse pour attirer la compassion des uns et des autres. Vous allez dire, Patti, c'est toi qui nous as dit sur la chaîne si qu'elle était enceinte. Bah ouais, c'est moi. C'est pas de ma faute si je me lève le matin et que je tombe à Facebook sur des posts terribles. Moi également, il faut que je parle avec vous. Il faut qu'on décortique ça ensemble pour pouvoir comprendre. Regardez, restez juste scotché. Voici en fait la preuve. Regardez, je vais vous donner ça tout à l'heure, montrer cette preuve. C'est pas moi qui le dis, c'est pas moi, c'est Facebook. Oh. Parce que dès qu'on vous parle, non, c'est rien, je maîtrise. C'est Facebook qui le dit. Tant pis si vous pensez qu'ils sont haineux ou jaloux, les gars, ils n'avaient leur preuve et vous voulez qu'ils fassent quoi? Il faut également que je vous détaille ça petit à petit. Maintenant, en numéro 3, on se rend compte que Poupi s'est rapproché. D'autres vont dire que non, le gars est marié, mais laissez-moi vous dire que les stars du Cameroun aiment trop le buzz. Moi, j'ai vu le snap, regardez, je vais vous mettre ça tout à l'heure. J'ai vu le snap du début jusqu'à la fin de Marcel Cuétier concernant cet acteur-là. Bah ouais! C'était genre rapprochement, elle était carrément à côté de lui, genre, je suis ta femme. Il y a bel et bien eu rapprochement entre Marcel Cuétier et l'acteur Alex Ekubo. Plus de détails, restez juste scotché. Vous voulez les preuves, vous aurez des preuves. Lors d'une soirée organisée par Cindy et Maté, la coco de Poupi, comme ce n'est plus Mamu maintenant, il y a un peu des rapprochements terribles. Et quand on viendra ici parler de comparaison entre les deux, les gens vont nous dire ne les comparer pas, on va les comparer. Elles ont commencé ensemble dans l'heure d'aujourd'hui. On va finir les comparaisons là quand tout va finir. Et comme ça ne va jamais finir parce que si on ira star, on va toujours comparer. Donc les gens comme les nous, si on aura toujours à faire. Je suis très très longue. On va décortiquer tout ça dans la suite. Avant de commencer, introduction. Avant de commencer la vidéo, abonne-toi, active la cloche de notification et appuie sur tout pour ne pas rater les prochaines vidéos. Comme je le disais tout à l'heure, Majaki, c'est-à-dire quand je faisais mon top 3 des comédiens les plus intéressants de la planète Terre du Cameroun, j'avais d'abord classé Gloria en deuxième position. J'avais mis Takam en première position, mais maintenant, je suis désolée. Quand tu ne me fais pas rire, je dois dire que tu ne me fais pas rire. Takam est cette fois, il a son équipe autour de lui qui travaille avec lui. Il est suivi par plus de 300 000 personnes à YouTube et à Facebook, que sais-je. C'est pour vous dire que ce gars a déjà prouvé beaucoup. Mais, il faut avouer également que les nouveaux comédiens camerounais jeunes font le carton. C'est pour ne pas parler de Dylan Comédie, c'est pour ne pas parler de Nel Cruz, c'est pour ne pas parler de Majaki qui est le plus intéressant. C'est-à-dire que quand je regarde seulement le gars là, moi j'ai seulement envie de lap gars, j'ai seulement envie de rire. C'est pour moi, c'est que Majaki là, est même comment? Il a une façon de tourner ses yeux là. Moi je sais pas pour moi. J'ai demandé l'avis de mon voisin. Il me dit que Majaki ne l'amuse pas. Mais moi, il me fait complètement, totalement rire. On dirait que j'avais jamais ri avec un comédien comme avec lui. On ne parle pas des filles contre là parce que ce sont les doyens. Les gars maîtrisent déjà le métier. Je parle des nouveaux. Majaki, c'est quelqu'un qui. T'as dit que ce petit. Non, j'encourage ce qu'il fait. Moi je peux pas venir à l'heure d'aujourd'hui dire que non, je veux le Japon seulement pour dénigrer. Non, on faut aussi le Japon pour apprécier. Donc Majaki, chapeau. Pour moi déjà, tu es devant Uri Stakamba. Mais je suis désolée, c'est mon point de vue. Et donnez-moi pour vous un commentaire. Si tu t'entoures d'une bonne équipe, en fait, si il s'entoure d'une bonne équipe, je pense que ça va aller. Parce que c'est l'équipe qui compte. Quand tu as une bonne équipe, je t'assure que tout roule. Maintenant. Passons au deuxième scoop de tout à l'heure, comme je l'affirmais sur ma page. Que Coco Emilia le biscuit de mer insinuerait une grossesse pour attirer la sympathie des gens. Non mais les gars, n'exagérez pas. Elle a fait des shootings. On a prouvé cette page. Voilà les photos que je vais épingler. Cette page a affirmé que les photos du shooting de la grossesse de Coco Emilia dataient il y a de cela un an. Massa. Parce que dès qu'on vous parle, non, c'est rien, je maîtrise.
je donne les mains aux Camerounais. Non, mon pays c'est la pâte, je n'aurais pas pu sortir ailleurs. C'est-à-dire que c'était mon pays, c'est le pays dans lequel je devais sortir. Donc elle a insinué une grossesse. Ce qui est le plus étonnant, c'est ce qui m'amuse dans ça, c'est que celui qui a fait le shooting avec elle a pris les photos, a posté également sur son Snap. Et sur son Snap, c'était il y avait 13 minutes. Mais sur la preuve des gens, c'était il y avait un an. Genre pour dire que Emily avait nous insinué qu'après elle va perdre son bébé pour attirer la compatie des gens. Non mais n'exagérez pas. Pour moi en fait c'est cette analyse là que je fais. J'analyse ça de cette façon. Les Camerounais sont terribles. C'est-à-dire que moi je pense que cette page du Congo ça appartient à une femme. Parce que c'est quelque chose que les hommes ne diront pas. C'est une femme. Et ce sont les femmes qui vont accoucher demain qui viennent se mettre sur la toile parce que ce sont les personnalités publiques. Elles racontent du n'importe quoi. Elles disent des choses qui ne sont pas cohérentes, ni logiques, ni, non mais sérieux. Donc la grossesse de Coco Emilia qu'elle a pris. Moi en fait j'ai vu le snap de Coco Emilia du début jusqu'à la fin. Donc c'était un mensonge, je le saurais. Quand elle s'est levée le matin, j'ai vu. Quand elle quittait sa maison, j'ai vu. Pour aller faire le snap, j'ai vu. Et après quand je vois à Facebook que non, que c'est une grossesse simulée pour attirer la compassion, moi ça m'étonne tout simplement. C'est que les gens cherchent juste le buzz derrière les autres. Mais c'est normal. Il faut toujours chercher le buzz derrière quelqu'un pour la preuve. La preuve, je suis là. Et je parle de tous les stades du Cameroun. C'est pas pour faire le buzz, mais je vous informe. En retour, vous vous abonnez pour écouter encore davantage. Bongo, 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 bongo. Je vais lire. Parce que moi, ma tête, ce n'est pas... Ma tête, en fait, ce n'est pas le cerveau du monde. Donc, je vais lire cette annonce. Regardez. Marcel Kwetche, a.k.a. Poupi, a été aperçu en train de fricoter littéralement avec le célèbre acteur nigérien Alex Ekubo qui a fait Johnny Give Me Follow Cynthia. Allo, show me, te do. Un truc du genre, en fait. Un truc du chat de la chanteuse Yemi Alade, une soirée privée organisée par sa coco Cindy et Madé. Franchement, pour les rapprochements, je dirais qu'il y a eu rapprochement. Moi, je dirais qu'il y a eu rapprochement. Ne venez pas ici me dire que oh, le gars est marié, il est marié, ça fait quoi? Il est marié, mais moi, je vous dis que Poupi, Marcel Kwetche, fait tout pour avoir le beurre. C'est normal, non? Parce que pour elle, Alex, c'est une star. Star des stars. Je ne sais pas si vous comprenez de quoi est-ce que je parle. Il y a les stars des stars. Donc nos stars sont les stars pour nous. Mais il y a les stars qui sont les stars pour nos stars. Donc c'est un peu ça. Elle était proche de lui toute la soirée. J'ai bien dit toute la soirée. C'est moi qui regardais. J'ai un snap d'environ 9 minutes que j'ai enregistré uniquement et spécialement pour ça. Oui, il y a eu rapprochement. Mais je pense que ce n'était pas un rapprochement partagé. C'était un rapprochement pour le buzz. Parce qu'à la base, Marcel Kwetche connaît que les Camerounais aiment dramatiser tout. Elle le fait tout simplement pour que les Camerounais en parlent et pour avoir plus de visibilité. Quand je vous disais que l'amitié est pourrie entre les partenaires, vous êtes venu ici me dire que non, elle simule. Même si elle simule, laissez-moi vous dire que même si elle simule, la relation n'est plus à son point comme avant. La preuve, Muriel Blanche envoie sa fiche Mimi. Quand je vous dis que je regarde les snaps avec détail, Mimi envoie sa fiche Muriel Blanche et tout, etc. Et comme Blanche bah, il est plutôt à Yaoundé, c'est pour ça qu'il n'y a pas trop de rapprochement ces derniers temps entre elle et Marcel Kwetche. Donc c'est un peu ça. Nos stars cherchent beaucoup de visibilité. Il faut essayer de faire la différence entre ça et ce qui est vrai. Donc c'est ce que je dis. Essayez juste de faire la différence entre les deux. N'essayez pas de mélanger tout. Le gars est marié. Il a fait sa demande en mariage. 500 000 vues déjà à Facebook. Voilà mes amours, c'était tout pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, max de pouces bleus. Sinon, dites-le nous en commentaire. Dites-nous également en commentaire les sujets que vous aimeriez qu'on aborde les prochaines fois. Surtout, mais alors, surtout, si tu es nouveau et que tu passes par là, mais qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Abonne-toi et active les notifications pour ne pas rater mes prochaines publications. Car oui, sur cette chaîne, je parle de tout. J'ai bien dit de tout concernant l'actualité africaine et même d'ailleurs.